wala kana ko ci bu baaxé on ana djibou kan ta ma répondre le ngam djoxo siwu sofi djibou allô ah ça va ça va ngoda ah justement on tika onum dane ñu la fula je suis en bas de chez toi là mo djo si hasanzima non ko sa zedi do kaya tika nam na di vite fena kaza no bi la fo bona bira onu to profite na baka u nturongo za mbabi ngeni njo de hono zene de si hasanzima. Ah d'accord, merci. Et dis ça va? Ça va, moi. Qu'est-ce que tu as dit? Ça va, non, qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu as dit? Ah, tu as dit? Ah, tu as dit? T'es marrant. Juste à la cuisine. J'étais à la cuisine et toi tu m'appelles par surprise, tu me préviens pas, tu débarques comme ça. Mais j'étais à la cuisine, tu voulais que j'arrive comment? En mode sexy? En plein mois de ramadan? Il est en isé, en isé, ça. Oui, mais là on est en plein mois de ramadan. Mais attends, c'est quoi dégoûté, me soif, Allah. T'es sérieux là? Non, justement, allez, on est manqué soif. On est en plein mois de ramadan. Je répète encore, on est en plein mois de ramadan. Alors, faut comme nous toutes mauvaises pensées de ta tête. Tu fais le ramadan correctement. Et ça veut dire avoir le monde que tu ne fais rien. Non, je pense à toi, mais pas de la façon dont toi tu penses ou la même façon dont toi tu penses à moi. En un plein mois de ramadan, ma tenue te convient pas et tu viens, tu me sors, ouais, je suis dégueulasse. Tu voulais que j'arrive en mode sexy. Ah bon, mais justement. Déjà, on n'a pas à se voir pendant le mois du ramadan, oui. Tu te rends compte? Et bien, la fin du conversation au hadith. À cause de toi, j'ai dû mentir à mes parents, leur dire que j'allais voir ma copine. Elle a fait quand même d'abord ça, mon ami. Il y a un problème. Oui, tu m'incites à mentir. Goulan Zongamran, ça a fait un problème quand même d'abord ça, mon ami. Mais j'ai pas à mentir. C'est pas normal. Justement, en parlant de ça, mais mes situations sont chaînes à supporter. Ça fait déjà 10 jours. Quand tu dis que vous êtes fournis à vous, nos parents, comme quand tu parles, comme si tout le monde, comme Jaou na Jaou. Voilà, tu as dit que 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 tu as dit tout ça c'est ta faute. Écoute, si tu voulais me voir tout le temps, si tu avais accéléré les choses comme je t'avais dit, on se serait mariés alors qu'il est, on serait dans la même maison, je te michoterais des petits plats et le soir je serais à toi. Mais non. On n'est pas mariés, donc on n'a pas à se voir. On n'a pas à se punir. Je ne te punis pas. Il y a des façons là où le nio, quand on est puni, on est balayé dans un pied. Tu veux le prendre comme ça? Quand tu veux dire un gage? Toi, j'ai que ça à faire de te punir. Bon, il faut quand même que tu les enfants. Tu n'avais pas à venir me voir en plein mois de ramadan. Tu devais rester chez toi et moi chez moi. Toute mauvaise pensée concernant hommes et femmes quand ils ne sont pas mariés, tu ôtes ça de ta tête. Tu l'enlèves. Je t'ai pas dit de pas penser à moi, mais je t'ai dit de penser autre que. Je sais pas, bref, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu penses à quoi? Tu veux qu'on se voit après manger pour faire quoi? On discute là. Puisque t'as débarqué la surprise, on discute là. Arrête, on a plein de ramadan, moi j'ai le ramadan! Respecte un peu! Non, mais franchement, je te supporte. Quand on continue à me dire que je suis dans une carte, je suis dans une carte. Je suis dans une carte. Je suis dans une carte. Ça me plaît pas. Parce qu'on y manque. À la fin, on parle de la carte. On est dans une 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 carte. Je suis les règles. Ça veut pas dire que je ne t'aime pas, mais on ne doit pas avoir de relation physique. Parce que tu me fatigues. Je suis un homme.
Je suis un homme qui a été 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 un homme q